Chacun immortalise le moment. Le premier TGV à relier Paris à Bordeaux en 2h04 embarque ses centaines d'invités, alors que dans la cabine de pilotage, les deux conducteurs se préparent. 2h04 sur la nouvelle LGV L'Océane, et on va rouler à 320, c'est une fierté. Un honneur partagé par les ministres Nicolas Hulot et Elisabeth Borne, convaincus des vertus de cette nouvelle ligne Océane. C'est plus écologique qu'en avion. À partir du moment où vraiment le train est vraiment en compétition sur le temps, ça déplace les passagers aériens sur des trajets qui ne méritent pas qu'on prenne l'avion dans le train. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est écologique. 70 kg de CO2 économisés par rapport à l'avion, par voyage. 8h41, le TGV démarre. Moins d'une heure plus tard, le voilà lancé à pleine vitesse. Vous avez la chance d'être les premiers passagers à circuler sur notre nouvelle ligne à grande vitesse, l'Océane. Ce niveau avec l'étage est aussi très agréable en termes de vision panoramique à l'extérieur. C'est magnifique, il y a tout, la commodité, on peut télécharger les téléphones, on a des clés USB ici, et c'est juste magnifique. Amener Bordeaux à 2 heures de Paris, c'est formidable. Et surtout, la rame, elle est très belle, elle est neuve, quasiment. Donc oui, on se sent très bien, c'est parfait. Parfaitement ponctuel, le TGV inaugural débarque à 10h45 ses premiers voyageurs en gare Saint-Jean. On a l'impression que ça va tout doucement alors qu'on est en LGV. Et surtout, le confort, en seconde classe, on a l'impression d'être en première. Voilà, c'est vraiment une grosse différence. Voilà, donc tout va bien. Des avantages dont profiteront tous les voyageurs sur cette ligne dès demain.